Alors bonjour tout le monde, mon nom est Marc Rocher et euh, si vous écoutez cette capsule vidéo, c'est parce qu'on va être ensemble cette session pour le cours SCO 5003 Finance 2 ou Gestion d'entreprise 2. Alors j'ai créé cette capsule vidéo juste pour vous expliquer toutes les ressources qui sont à votre disposition sur Moodle. Alors pour vous préparer, quoi vous procurer avant euh, le début de la session qui va être le 3 septembre. Alors si on va sur Moodle. Donc, sur Moodle, notre cours va être en présentiel. Moi, je préfère, c'est un cours hybride, mais moi, je préfère être en présentiel. Alors, les cours vont être en présentiel, mais vous allez voir qu'il y a des ressources. Si jamais vous ne pouvez pas aller en salle de cours, il y a quand même des ressources qui sont disponibles pour vous. Euh, juste à, vous, à noter que 10% de la note, c'est des exercices en classe. Ils vont être en présentiel. Donc, si jamais on est en ligne, euh, l'adresse Zoom, vous l'avez à l'écran. Alors, les, on a 11 séances de cours, on a deux séances d'examen en salle de cours, et on a deux périodes de révision. Donc, j'ai fait les périodes de révision les samedis avant l'examen, et donc, si tout va bien, euh, on est capable de finir la session deux semaines de bonne heure. Et euh, les deux périodes de révision, on va tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'examen de l'enregistrement d'un ancien examen. Et je vais aussi faire la correction du TP. Euh, le tout est enregistré et mis sur euh, Moodle et sur YouTube. Je vais vous montrer où sur YouTube dans un instant. Si je parais familier, vous m'avez déjà vu dans une de vos salles de cours. Vous, vous, je, je, parais familier, je ressemble à un étudiant qui est dans votre salle de cours parce qu'actuellement, euh, j'ai décidé de faire euh, un baccalauréat en comptabilité en tant qu'étudiant libre. Donc, cette session, je donne deux cours. Alors, je donne le cours Finance 1 et je donne le cours Finance 2 le lundi matin et le mardi après-midi. Et en tant qu'étudiant, je fais les trois cours suivants. Il se peut que je vais ajouter des cours. Je pense que je vais faire le 5001. Alors, une petite note que, que je devrais mentionner, c'est que... Moi, je regarde mes courriels au gros max une fois par semaine et je ne suis pas une personne branchée. Me texter et attendre à une réponse immédiatement, ça n'arrive pas. Alors, je suis vraiment débranché de la matrice. Par contre, en présentiel, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, si vous avez un cours, vous êtes assis à côté de moi dans une salle de cours, vous avez des questions. Avant ou après un cours, il n'y a pas de problème, je réponds à vos questions. De même que si vous avez un cours, notre cours, c'est le mardi après-midi. Si vous venez à, vers midi le lundi au local, euh, je veux dire, vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Ça me fait absolument plaisir. Mais en, en ligne, si vous me demandez de faire une réponse détaillée sur euh, email, euh, je vais vous dire que je vais vous donner une, une question, je vais vous répondre. Vite et je vais dire venez me voir en salle de cours. Alors, je ne suis pas vraiment. C'est le commentaire qui revient le plus souvent dans mes évaluations que en ligne, à, à l'extérieur de la salle de cours, je ne veux pas me faire déranger. Je suis désolé, euh, mais ça va être la même chose quand vous allez être comptable. Vous ne voulez pas que votre boss vous appelle la fin de semaine. Pour moi, c'est la même chose. Donc, en présentiel, si vous avez des questions, euh, ça, me, ça me fait plaisir. Alors, euh, je suis de la vieille génération, j'ai quand même retenu l'habilité de communiquer avec les gens. OK, alors la première chose qu'on a, c'est le plan de cours. Regardons ça maintenant. Donc, c'est le cours SCO 5003 pour l'automne 2024. Euh, vous avez mon courriel à l'écran, s'il vous plaît. Euh, attendez, au moins, attendez à attendre au moins 4 ou 5 jours avant que je vous réponde. Euh, je checke me, tous mes courriels une fois par semaine. Je réponds à tous mes courriels, mais je suis vraiment lent. Alors, euh, clavarder, ce n'est pas mon affaire. Texter, ce n'est pas mon affaire. Euh, donc, le seul préalable, c'est d'avoir fait euh, Finance 1, ce cours 3003. Honnêtement, la seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que 1 plus I à la T, c'est la valeur accumulée d'un investissement. Alors, euh, le montant aujourd'hui, fois faut 1 plus I à la T, c'est le montant accumulé. C'est la seule chose que vous devez avoir retenu du cours Finance 1. Maintenant, il y a un livre. Euh, mais la phase, c'est que je, je, je vais y faire référence pendant la session. Donc, vous pouvez l'acheter, euh, mais je vous, je vous dirais peut-être d'attendre parce que vous allez voir, il y a beaucoup de ressources que je mets à votre disposition. Alors, ce n'est pas vraiment nécessaire d'acheter le livre. Cependant, il y a quelque chose que vous allez devoir acheter, c'est quelque chose qui s'appelle un clicker, un high clicker. Il y a plusieurs modèles. Alors, il y a plusieurs modèles de clicker. C'est tout simplement une télécommande avec euh, les boutons A, B, C, D. Euh, pourquoi? 10 de la note du cours, ça va être des exercices en classe. Ce n'est pas des exercices compliqués, c'est des exercices relativement faciles. Si vous, avez, si vous arrivez à l'heure et vous écoutez pendant la session, euh, vous allez avoir tous les points. Alors, c'est 10 de la note. Je donne environ 10 questions par cours, des fois plus, et il ne faut pas être parfait. Je pense que si vous accumulez 84 points pendant toute la session, je vais vous donner 10 sur 10 ou 80 points. Alors, si vous accumulez 80 points pendant la session, vous allez avoir 10 sur 10. Si vous avez 100 points pendant la session, 10 sur 10. Euh, 85, euh, 1 point, 10 sur 10. 79 points, 79 sur 80 fois 10 alors, euh, euh, vous accumulez des points pour arriver à l'heure et de répondre aux questions qui sont au tableau. Alors, les questions, il va y avoir des questions à choix de réponse. Et vous allez voir ça à, 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 en rentrant au premier cours, vous allez voir des choix de réponse au tableau. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui va voir un clicker le premier cours. Comment, où est-ce que vous trouvez le clicker? Bien, vous, allez, vous allez sur Amazon.ca. Amazon vous allez sur Amazon.ca et vous cliquez I clicker en haut. Et vous allez avoir tous les modèles qui sont disponibles. Ce n'est pas nécessaire d'en acheter un nouveau. Uh, vous pouvez l'acheter usagé, uh, uh, 27 et 99, 18 et 99. Ça, c'est le vieux modèle. C'est le premier modèle. Ils sont tous bons. C'est du moment qu'ils fonctionnent. Si vous l'achetez neuf, uh, parfait. Mais il y a une chose que je, que je, que je, uh, que je fais pour mes étudiants à chaque session. C'est à la fin de la session, si vous avez un clicker que vous ne savez pas quoi faire avec, vous voulez vous en débarrasser, je vais vous l'acheter pour 20 puis je vais le laisser traîner sur mes étagères pendant 6, 8, des fois 12 mois. Et la prochaine fois que je, dois, je donne un cours en présentiel, je vais tout simplement revendre vos clickers pour 30 Le 10 c'est justement parce que j'ai de l'argent qui traîne ces étagères. Et s'il y en a un qui est brisé, je vais, je vais vous le racheter. Alors, euh, j'ai comme une vingtaine de clickers qui sont disponibles. Et si au premier cours, vous avez 30$ et vous êtes vous en avez comme peut-être 25$. Les 25 premiers si ont 30 pièces à me donner, je vais tout simplement euh, liquider les clickers que j'ai. Et, et la même chose à la 20e session, je vais les récupérer. Et je fais ça pour chacun de mes étudiants. Ce n'est pas vraiment euh, parce que je veux faire de l'argent, c'est juste un service de plus que je veux euh, accorder à mes étudiants. Donc, si jamais vous n'avez pas de clicker, vous ne perdez pas tous vos points. Alors, il y a un point pour arriver à l'heure. Il y a deux ou trois points pendant le cours et il y a cinq, six ou sept questions à la fin de chaque cours. Si vous n'avez pas un clicker, j'accepte de, de, de prendre ces réponses par papier. Et le premier cours, le, le, le prix de présence. Alors, pour ceux qui arrivent à l'heure, je vais vous donner le, le premier point par écrit. Ceux qui ont le clicker au premier cours, on peut jouer, commencer à jouer avec. Mais à partir du deuxième cours, tous les points vont être pris par le clicker, avec l'exception. Des, des questions à la fin du cours. Il y a cinq, six questions. Vous ne perdez pas ces points-là. Mais question de garder le cours, euh, garder le flot du cours, les, le prix de présence et les exercices pendant le cours. Euh, dans les diapos, vous avez des questions, comme deux petites pop-quiz, deux ou trois pop-quiz pendant le cours. Euh, ce, ces questions-là, on répond juste avec le « clicker ». Donc, revenons maintenant au plan de cours. Alors, il faut, il faut un « clicker ». Pas tout le monde qui va en avoir un, un premier cours. J'en ai quelques-uns quelques à revendre. Euh, mais rendu le troisième cours, généralement, tous les étudiants ont un clicker. Ils sont un peu nerveux au début de jouer avec ça. Mais rendu à la fin de la session, c'est comme vous allez voir à quel point que ça rend le cours plus amusant. Parce qu'il y a un petit stress de savoir qu'il y a une question qui arrive. Alors, mes étudiants ont tendance à écouter euh, le cours. Ils ont tendance à ne pas arriver en retard parce qu'ils savent qu'il y a un point pour arriver à l'heure. Euh, donc, c'est très facile d'aller chercher 10 de la note. Alors, les exercices, c'est 10 de la note. Euh, très facile d'aller chercher 10 sur 10. Pas une question d'être parfait. Vous pouvez manquer un cours et répondre relativement bien et d'aller chercher 10 points. Si vous manquez deux cours, si vous êtes parfait pour les, les neuf autres cours, vous allez chercher 10 sur 10. Alors, c'est comme ça que j'ai fait le design. Euh, c'est juste pour vous garder intéressé. Maintenant, il y a un intro et un final, deux examens qui valent 40 avant chaque intro, vous avez un TP. Euh, le TP, il est déjà en ligne. Il est à choix multiple. Euh, il est à choix multiple et vous allez utiliser un fichier Excel que vous allez uploader sur Moodle. Et moi, je vais prendre tous vos fichiers Excel, je vais les mettre dans un master file et je vous corrige tout d'une shot. Alors, je pense que c'est le 17 ou le 18 octobre ou le 19 octobre. Avant... Ah non, l'affaire, c'est que euh, les TP vont être à remettre avant un samedi. Alors, j'ai l'horaire ici. Alors, les deux TP sont à être remis. Le, le premier TP est à être remis avant le 12 octobre samedi, avant 17h sur Moodle. Et à 18h, on va faire un enregistrement sur Zoom. Alors, on va avoir un, un cours sur Zoom, une période de révision qui est optionnelle. Tout va être enregistré et mis sur YouTube et sur Moodle. Et l'examen final, c'est le. Euh, avant l'examen final, il y a un deuxième TP à remettre le 23 novembre. Alors, l'examen va être le 15 octobre en salle de cours et l'examen final le 26 novembre. Maintenant, vous voyez qu'on finit de bonne heure. C'est parce qu'on a deux périodes de révision qu'on fait d'avance. Ce n'était pas pour finir d'avance que je faisais ça. C'est qu'en 2012, on avait les grèves étudiantes et on perdait des cours. Alors qu'en faisant des périodes de révision, si jamais il y avait un cours qui était perdu, on le récupérait. Durant la COVID, moi, je n'ai pas perdu de cours parce que j'ai récupéré les deux cours. Euh, les deux cours, euh, quand l'université était fermée pendant les deux semaines, les deux, les deux cours en question, je les avais récupérés. Alors nous, on n'a rien manqué. Donc, c'est la raison pourquoi je fais ça. S'il y avait une tempête de, de verglas puis l'université était fermée, même chose, on était capable de se récupérer. Mais si euh, on ne perd pas un cours, on finirait le 26 novembre et vous allez avoir le gros examen final de, de finances qui va être fini avant vos examens de, de comptabilité. Alors, euh, vous, vous allez avoir juste un examen euh, au même moment. L'examen intra, il se peut qu'il soit même au même moment de vos autres cours. Donc, l'examen intra, il y a six cours, un TP à remettre et par la suite, un examen. Par la suite, on a cinq cours, un TP à remettre et un examen. Alors, c'est nos 15 séances de la session. On commence le 3 septembre. On est en salle de cours. La, le, le cours n'a pas été attribué encore. Je vais m'informer cette semaine pour m'assurer de ça. Dès que c'est mis en ligne, vous allez sur Ucamca, vous, vous mettez le cours 5003 dans le search et c'est affiché. Vous allez voir si ça, ça a été updaté. Alors non, ça n'a pas été encore updaté. Alors, euh, ça va apparaître ici. Euh, si vous allez à ukem.co, vous mettez Sco5003 dans le search, euh, il va apparaître là. Dès qu'on dès que connaît la salle de cours, je vais updater les fichiers en conséquence. OK, alors ça c'est l'horaire. Alors, euh, vous avez plusieurs ressources que je veux maintenant vous montrer sur YouTube. Quoi d'autre qu'on a? Alors, euh, pas de plagiat, intégrité, honnêteté, blablabla. Bla, bla. Euh, maintenant, regarde, revenons sur Moodle, voir toutes les ressources qui sont à votre disposition. OK, donc, euh, le cours est sur Zoom. Vous avez mes disponibilités en tant qu'étudiant, le plan de cours. Maintenant, par la suite, vos diapos. Vos diapos sont incomplètes. Alors, toutes vos diapos, je les ai préparées, je les ai tous updatées. Alors, pendant l'été, j'ai tout rendu ça. Euh, j'ai amélioré ça. Alors, tous les, les ajouts que je voulais apporter, j'ai fait ça. Alors, vous avez une série de diapos. Alors, tout ce qui est en noir, vos diapos, vous les avez. Alors, euh, qu'est-ce qui est en noir à l'écran, vous les avez dans vos diapos. Mais de temps en temps, il va y avoir des questions qui vont apparaître. Alors, il va y avoir des questions qui vont apparaître et on va faire les solutions en salle de cours. Alors, toutes les explications, je fais ça en salle de cours. Et euh, ben c'est ça. Alors, toutes les questions. Toutes les questions, tout ce qui est en rouge, vous remplissez ça dans une salle de cours. Cependant, je vais vous dire tout de suite que sur Moodle, vous avez déjà les enregistrements. Alors, par le passé, je vais vous montrer ça dans un instant. Par le passé, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai donné le cours en ligne, j'ai fait les enregistrements et à la fin de la session, à la fin de chaque cours, j'ai épuré, alors j'ai édité, alors tout ce qui, tout le blabla qui n'était pas pertinent et permanent, j'ai enlevé ça. Alors, un étudiant qui levait la main, qui demandait une question, qui était pas pertinente, j'ai enlevé ça. Euh, le prof qui parlait de quelque chose à l'époque, c'était GameStop, on parlait de GameStop. Alors ça, j'ai édité ça. Alors tout ce que vous avez, c'est des capsules short and sweet qui sont disponibles sur YouTube. J'ai certains étudiants qui aiment ça, écouter les capsules avant de venir au euh, cours. Ils remplissent toutes leurs diapos d'avance et en salle de cours, ils font juste écouter. Et ils sont plus prêts pour les exos. Mais encore une fois, les exos, ce sont, sont pas plus complexes que ça. Euh, mais mais c'est ça. Le rouge, il va, les, les diapos complétés ne vont jamais être mises en ligne. Alors, il faut soit les, les écouter, euh, soit venir en salle de cours. C'est une raison de plus pour encourager les étudiants à venir au cours. Alors, de plus en plus, on compétitionne avec l'Internet de plus en plus, on compétitionne avec l'absentéisme et le clavardage. Alors, c'est juste une question de garder les étudiants actifs pendant euh, la session. OK, continuons. Les capsules vidéo. Si vous allez sur YouTube, alors si vous allez sur YouTube, si vous allez sur YouTube et vous tapez Marc Durocher dans le, le search, vous allez avoir un canal, mon canal YouTube que j'ai créé pour les cours que j'enseigne à l'UCAM. Et si vous cliquez sur Playlist, vous allez avoir les quatre cours que je donne à l'UCAM. Alors, deux cours d'actuariat, regardez pas ça, c'est trop quoi. Les comptables sont tout le temps perdus quand ils regardent ça. Mais le cours 5003, vous l'avez ici, et, et tous les cours ont été enregistrés. Maintenant, vous allez peut-être voir que c'est un peu différent, des, euh, les diapos sont un peu différentes, le formatage est différent, mais c'est parce que ça, ça a été enregistré en 2020. Donc, ces, ces, ces capsules ont été créées il y, a, il y a quelques années, mais elles sont toujours aussi valables. Je n'ai pas changé les, la matière, mais le vous allez voir que le formatage est un peu plus vieux. Et vous allez voir toutes les questions que, que encore une fois, tout ce, tout ce qui est en noir il est donné et tout ce qui est en rouge, on va faire en salle de cours. Alors, vous pouvez préparer le cours d'avance. Alors, on a dans le, la liste les six premiers cours. Et par la suite, tous les examens intra par le passé, les plus récents, je les ai enregistrés. Et durant la période de révision, on va faire la correction du TP. Je vais aussi faire l'enregistrement de l'examen de hiver 2024, qui était la dernière fois que j'ai donné euh, le cours SCO 5003. Alors, ces capsules vidéo, par la suite, je les mets sur le playlist. Ben, le TP ne va pas être sur le playlist, mais les, les anciens examens, je les mets sur les playlists et ça devient un document permanent. Et si, si j'ai encore du temps, peut-être je vais enregistrer un deuxième examen. Alors, les périodes de révision, je fais un ancien examen, je fais la correction du TP, par la suite, je suis disponible pour répondre à des questions. Par la suite, on a les cours 7, 8, 9, 10 et 11. Et encore une fois, on a les trois examens finaux. Et à la fin de cette session, j'espère que je vais avoir deux enregistrements de plus à ajouter à euh, l'examen de hiver 2024. Donc, euh, vous pouvez aller directement avec le lien sur Moodle ou tout simplement rentrer sur euh, Moodle et taper mon nom dans le search et vous allez trouver euh, mon playlist pour le cours euh, SCO 5003. Continuons. Alors, ça, c'est toutes les capsules vidéo. Maintenant. Euh, pour ceux qui ont fait Finance 1, vous savez qu'il y a certains boutons qui sont utilisés avec la calculatrice financière. Alors, il y a un fichier de, de l'utilisation de la calculatrice, tous les registres internes de votre calculatrice. On va regarder ça maintenant. Donc, en principe, tout le cours Finance 2, c'est quelle est la valeur d'un projet. Donc, ici, on a un exemple. On a deux projets, le projet X et le projet Y. Les deux projets, on doit investir 10 000 au temps T est égal à 0. Le projet 1 paye 6500 au temps 1, 3 000 autant 2 au temps 3 et 1 000 au temps 4. Quelle est la valeur du projet? Mais c'est tout simplement la valeur escomptée de tous les cash flows. Alors, votre calculatrice, vous avez des boutons de registre dessus. Alors, moi, j'ai la calculatrice BA2, que j'ai utilisée pendant que je faisais les examens du CFA. Alors, vous avez les boutons ici, cash flow et NPV et IRR. Alors, ça, ça vous permet de calculer NPV, c'est la valeur actuelle nette d'un projet, la valeur actuelle de tous les cash flows, et IRR, c'est le taux de rendement interne, c'est le taux d'intérêt, le rendement d'un projet. Et le bouton CF, c'est les cash flows, les flux monétaires. Quelle est la valeur actuelle d'une série de flux monétaires Je suis pas mal familier avec cette calculatrice-ci. Les deux Sharp, je m'en suis jamais servi. Alors, moi, je suis actuaire de formation, moi, j'ai une autre calculatrice que j'utilise. Mais euh, euh, bon, c'est les trois calculatrices, les deux Sharp. Et la BA2 ⁇ on vous donne tous les... De, de, toutes les, les étapes, étape par étape, comment faire le calcul avec les registres à l'interne. Donc, je vous recommande, on va regarder rapidement ce fichier-là au premier cours. Je vous recommande d'apprendre à utiliser votre calculatrice. À un examen, je ne peux pas vous dire comment programmer votre calculatrice, malheureusement, c'est à vous de la connaître. Mais vous avez ce fichier ici qui vous donne tous les indices. Alors, quelle est la valeur du projet A? Quel est le taux de rendement du projet A? Comment faire le calcul? Bien sûr, vous pouvez le faire à la mitaine. Mais c'est plus complexe et plus mathématique, il y a des chances que vous fassiez des erreurs de frappe. Euh, ou bien donc, vous pouvez programmer directement votre calculatrice et ça vous donne directement votre réponse. Donc, on va revisiter ça au euh, premier cours. Maintenant, le 10 pour les exercices en classe. Voici qu'est-ce que je vous offre. Donc, euh, alors, je donne. Un point pour arriver à l'heure. Pour le premier cours, c'est juste un, un point pour être à l'heure, mais normalement, c'est vous avez ce qu'on appelle le prix de présence et par la suite, vous avez les exercices en classe. Qu'est-ce que je fais? Donc, à partir du deuxième cours, notre cours commence à 14 heures. Vous avez un point si vous arrivez à l'heure et vous répondez à la question. Alors, à partir du cours 2, alors vous avez euh, la question, cette question-là, vous allez avoir des choix de réponse au tableau. Et vous allez répondre avec votre clicker à partir de 14 heures. Vous avez 15 secondes pour répondre. Moi, j'ai une petite tour avec une antenne. Vous avez, je l'active. Vous avez 15 secondes pour répondre à la question. Par la suite, rien ne va plus. Et vous allez voir qu'à partir du troisième cours, on a très peu de retardataires dans notre salle de cours. Il y a au moins deux points qui vont être des exercices qui sont directement dans vos diapos. Encore une fois, vous allez répondre avec votre clicker. Le modèle n'est pas important. Et à la fin de chaque cours, vous avez des exercices qui sont faits en classe. Maintenant, ces exercices, vous les avez déjà. Vous les avez déjà avec les réponses. Euh... Non, vous n'avez pas les réponses. Alors, je vais, vous, je vais vous mettre un fichier en ligne avec les réponses. Alors, qu'est-ce que je fais? Euh, C'est que euh, pour chacun... Euh, pour, chacune, pour chaque cours, ce que je fais, c'est qu'il y a un fichier qui a normalement les réponses, euh, mais je change les chiffres à chaque cours et je mets des choix de réponses euh, au tableau et vous allez répondre à la fin du cours avec votre clicker. Si jamais vous n'avez pas de clicker ou vous l'avez oublié à la maison, il n'est pas encore livré, je vais accept, toujours accepter les réponses. Les, les, le premier cours, il y a six questions. Alors, ces six questions-là, je vais tout le temps accepter une feuille-réponse pour le premier cours. D'ailleurs, vu que c'est le premier cours, je vais accepter une feuille-réponse de tous les étudiants et en même temps, les étudiants vont commencer à pratiquer avec leur clicker leur juste pour une question de s'amuser un peu. Alors, euh, je, vais, je, vais, je vais essayer de trouver, euh, il me semblait que j'avais un fichier qui était déjà euh, fait. Alors, ici, j'en ai un. Alors, j'ai un vieux fichier. Ça, c'est pour 2019. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce fichier-là en ligne. Et euh, ben, c'est ça. Tout ce qui est en jaune, c'est les chiffres que je, moi, je vais, je vais changer pendant le cours. Et je vais mettre des choix de réponse avec des intervalles au tableau. Vous allez répondre avec le clicker. Je fais les solutions à la mitaine à la fin de chaque cours. Et je donne un point pour être resté jusqu'à la toute fin de chaque cours. Donc, euh, c'est ça. Je vais mettre ça en ligne sous peu. Continuons. Alors, ça, c'est les exercices. Alors, c'est ça. Il y a un point pour arriver à l'heure et de répondre à la question. Il y a au moins deux questions pendant les diapos. Alors, les deux heures de cours, je, de, je demande généralement aux étudiants d'éteindre l'Internet. Alors, il n'y a pas de besoin d'avoir l'Internet. Et la dernière heure, c'est des exos. Allez-vous vers en équipe et on répond avec le clicker si vous l'avez. Sinon, je vais accepter une feuille réponse euh, et je donne un point pour être resté jusqu'à la toute fin. Euh, donc, euh, vous accumulez des points pendant la session, 80 points pendant la session et vous avez 10 sur 10. OK, maintenant, pour la préparation de l'examen intra, maintenant, euh, vous avez la, la feuille de formule, vous avez un recueil, vous avez le premier TP, vous avez une feuille réponse et vous allez envoyer votre TP en ligne sur Moodle. D'ailleurs, le TP, c'est le même TP que 2018, mais j'ai tout simplement changé les chiffres. Alors, vous avez le TP de, de, de 2018 pour vous pratiquer avec les réponses. Regardons maintenant toutes ces ressources. Alors, la feuille de formule est dans le recueil. Je vais, je vais commencer avec le recueil. Donc, c'est mon recueil de tous mes anciens examens. Sont, malheureusement, j'en ai, ai juste trois qui sont enregistrés. Vous en avez une quinzaine, euh, mais je donne le cours finance 2, je l'ai donné moins souvent que le cours finance 1. J'ai pas eu le temps d'enregistrer de, toutes les capsules vidéo. Alors, voici qu'est-ce qui arrive. C'est qu'au début de chaque, euh, chaque recueil, j'ai une table des matières et pour chaque question, je vous dis après quel cours qu'on est capable de le faire. Donc, on a six cours pour l'examen intra. Et si je regarde l'examen d'automne 2019, il n'était pas long l'examen. Il y avait trois groupes cours. Alors, c'était les trois groupes courts, trois examens ici. La question 1, on est capable de le faire après le cours 6. La question 4 on est capable de le faire après le cours 2. Euh, la question 7, on est capable de le faire après le cours 5. La plupart des questions, on est capable de les faire après le cours 4 parce que 1, 2, 3 et 4, il y a beaucoup de matière et il y a beaucoup de détails. 5 et 6, c'est des, 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 des cas un peu plus spécifiques. Donc, euh, je vous dis, et à la fin de chaque, la dernière diapo de chaque cours, vous dit tous les, les, les exercices que vous êtes capable de faire aussi. Par la suite, vous avez la feuille de formule qui est disponible à l'examen. Alors, tout, toutes les formules qu'on va voir au cours euh, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, de, 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 de la feuille de formule qui, qui va être disponible à l'examen. Et par la suite, vous avez toutes les anciennes intros. Si c'est barré, c'est juste que c'est n'est plus matière au cours, mais je ne voulais pas euh, le supprimer. Donc, on va faire l'évaluation de projet. Alors, vous avez ici comme la question 2 de 2010. 2011, automne 2011, vous avez une question, tout ce qui est en rouge, c'est la solution. Et vous avez euh, toutes, ces, toutes les questions, tous les enregistrements, je pense que vous en avez une quinzaine. Alors, euh, vous en avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Vous avez une dizaine d'examens. En plus, vous allez avoir deux TP. Le premier TP est assez long, mais il est compréhensif. Alors, mes anciens examens, je vous les offre et je pense que ces trois examens ici sont déjà enregistrés. Je vais faire l'enregistrement de 2024 durant la période de révision et si j'ai le temps, je vais faire 2018 en même temps. Donc, vous avez toutes les solutions de tous les examens. Ce que je recommande tout le temps à mes étudiants de faire, quand vous faites votre étude, faites autant d'exercices tant que vous n'êtes vous êtes pas familier. Quand vous comprenez la matière, vous êtes good, mais commencez avec les examens les plus récents parce qu'ils ressemblent plus à, à mon examen. Et après un bout de temps, vous allez voir, OK, ils se ressemblent pas mal, je, je suis pas mal prêt pour mon examen. Honnêtement, si vous faites toutes les questions, vraiment, je veux dire, vous avez fait plus d'efforts que nécessaire, mais vous allez bien performer à l'examen. Donc ça c'est le recueil. Euh, le premier TP maintenant. Alors il y, a, il y a un TP avec une feuille réponse. Alors vo voici le premier TP. Alors c'est tout simplement un projet. Alors on vous demande le coût du capital pour les dix premières questions. Par la suite on a un projet pour les dix prochaines questions. Partie C. Partie C on a deux questions. Euh, ça, et à la toute fin, on a huit questions à, à elle toute seule. Alors, il y a 30 questions pour l'examen euh, ben pour le premier TP. Alors, c'est des choix de réponse A, B, C, D ou E, et vous allez avoir une feuille réponse, celle-ci. Ça. Alors, quand vous voyez du rouge sur cette feuille réponse, c'est parce que c'est incomplet. Alors, tout ce qui est en rouge, vous allez le compléter vous-même. Et s'il reste du rouge, je vous dis tout de suite, votre fichier est incomplet. Alors, il y a des protocoles de sécurité là-dessus. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes 50 étudiants, je prends les 50 feuilles réponse, je mets ça dans un master file, je vous corrige tout en même temps. Et entre 5 heures, la date de remise, et 6 heures, la période de révision, je pourrais mettre la note en ligne immédiatement. Donc, je fais ça de cette façon-là pour éviter des erreurs de formatage. Donc, quand vous rentrez quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Alors, vous rentrez votre nom et le rouge devient bleu. Donc, quand il y a du rouge, c'est incomplet. Vous rentrez votre code permanent, X -X 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 et ça devient, euh, ça devient bleu. Et pour chacune des questions, vous pouvez utiliser le menu déroulant si vous voulez pour répondre aux questions, ou vous pouvez les rentrer à la mitaine A, B, C, D ou E. Et ça fonctionne. Cependant, la raison pourquoi je fais ça de cette façon-là, si vous mettez une réponse qui est inacceptable, vous mettez H, ça vous donne un message d'erreur de réessayer. Ou supposons que vous mettez A parenthèse, ça va bloquer encore une fois. Je vous demanderai de pas jouer avec les protocoles de sécurité. J'en ai tout le temps un fin fino à chaque session qui joue avec ça et ça me donne un fichier euh, qui me cause plus de problèmes que d'autres choses. Donc euh, oh, et quand, 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 quand tout est bien rentré, alors quand on rentre toutes les données, qu'est-ce qui arrive C'est que quand tout est, quand la dernière réponse elle est rentrée. Euh, Enter. Vous voyez ici, ça vous dit que c'est complet et vous pouvez maintenant me l'envoyer. Avant de me l'envoyer, par contre, je vous demanderai de renommer le fichier. Alors, renommez ça, SCO 5003, votre code permanent tp1.xls et vous transmettez ce fichier sur Moodle. Alors, il y, a, il, y a, il y a la case sur Moodle pour le faire. Alors, vous allez le transmettre sur Moodle, cette feuille de réponse-là. Et moi, je vais essayer de corriger tous les TP entre 5 heures et 6h. Le 12 octobre, et à 12 heures, on va faire la correction du TP et on va aussi faire l'enregistrement corre... euh, d'un ancien examen. Alors, euh, la période de révision, c'est un samedi. Elle est optionnelle. Tout est enregistré, tout est mis à votre disposition. Vous allez avoir euh, euh, les solutions du TP. Pas les solutions détaillées, par contre, mais vous allez avoir toutes les réponses pour chacune des questions. Et en plus, je vous donne le TP de hiver 2018. Alors, le TP de hiver 2018, vous savez à l'écran, alors c'est le même TP mais avec des chiffres différents. Et alors, je vous donne les réponses. Alors, si vous voulez vous pratiquer d'avance, alors si vous êtes capable de faire ce TP-là, vous, vous, vous êtes capable de faire le vôtre. Et euh, votre TP est à choix de réponse. Vous utilisez le fichier Excel, vous me vous le renommez, vous me l'envoyez avant, le, avant 17h le samedi avant l'examen. Et on va faire la correction ensemble. Si vous ne voulez pas être là pendant la période de révision, il n'y a pas de problème. Le tout va être enregistré et mis sur Moodle et sur YouTube. Donc, continuons. Alors, ça c'est les... la préparation de l'examen intra. L'examen final, ça va être très similaire encore une fois. Vous allez avoir une feuille de formule qui est dans le recueil, feuille de formule. Vous allez avoir le recueil avec les solutions pour euh, les cours 7, 8, 9, 10 et 11, le TP2 en énoncé, le TP2 en feuille réponse. Vous le mettez sur Moodle avant 17h le 23 novembre, c'est un samedi. Et encore une fois, je vous donne le deuxième TP de, de la session de hiver 2018 à votre disposition avec les réponses. Les solutions détaillées. Je ne peux pas vraiment les enregistrer, sinon je brûlerais un TP. C'est pour ça que je vous donne quand même les réponses. Alors, si je reviens finalement, encore une fois, avec le plan de cours, donc nous, on va commencer mardi le 3 septembre. J'assume que pas tout le monde va voir un clicker, mais j'ai quand même plusieurs clickers de la session de hiver 2024, j'en ai une vingtaine. Donc, euh, si vous avez 30$ cash et, et, et j'ai encore des clickers, je vais vous les, les rendre. J'ai un cours le lundi suivant. S'il me reste des clickers, je pense qu'eux vont probablement m'en gober plusieurs. Euh, mais si vous n'avez pas de clickers le premier cours, il n'y a pas de problème. Euh, les exercices à la fin du cours, vous allez me les remettre sous forme de papier. Puis le prix de présence y est fait aussi en format papier. Autrement, si vous êtes capable d'aller le chercher sur Amazon, euh, vous pouvez faire ça aussi. Alors, juste besoin d'imprimer les diapos pour le premier cours et de vous procurer un clicker. Autrement, on se rencontre le 3 septembre en salle de cours. Je suis tout le temps là, une demi-heure avant le début du cours. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours arriver avant l'heure. Sinon, euh, à mardi prochain. Merci.